Hello tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va vous faire un carpaccio d'ananas. Voilà, un carpaccio d'ananas avec un petit sirop, fruit de la passion, j'allais dire mangue de la passion. Et puis avec du raisin, on va faire des petites sortes de petites sucettes. On va prendre des petits cure-dents, voilà, des petits raisins, et on va les tremper dans le chocolat blanc. Donc pour cette recette, il vous faudra un ananas, du sucre roux, deux fruits de la passion. Le deuxième est juste ici. Deux petits citrons verts. Voilà. Donc du chocolat blanc. Avant de découper l'ananas en fines lamelles, on va faire du sirop. Vous prenez une casserole, évidemment. Mets le sucre, coupe en deux les fruits de la passion, mets-les. Et moi, je vais mettre le citron vert. Mais qu'est-ce que j'aime les fruits exotiques. C'est bon. On mélange un peu et on fait réduire à feu moyen. Exactement. Et voilà. Alors je sais que j'ai vu dernièrement, alors souvent ils les mettent. Donc voilà, le plus compliqué, c'est de dépiauter l'ananas. Donc encore une fois, si vous le pouvez tout dépiauter, pelez, prenez-le. Alors pareil, l'ananas, essayez de le trouver bien mûr. Hein. L'intérêt, c'est d'avoir une belle assise pour qu'on puisse faire des belles tranches. Et du coup, c'est... Alors attends... Donc pour faire les carpaccio d'ananas, tu vas en faire attention. Ouais. Il vous faut ce qu'on appelle une mandoline. Tu veux essayer, Ma? Bah écoute, vas-y, je te regarde. Tu vois, c'est fort, hein. Faut pas faire comme ça, tu arriveras pas. Alors pareil, la mandoline, c'est très 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 dangereux. Faites attention, ouais. Vous pouvez vous râper un bout de doigt. Mais essaye de le faire. Hein. Non, je te regarde. Essaye au moins un, tu vas voir. Vas-y, ouais, voilà, tu vois, c'est... Voilà. Par contre, fais-en pas plus de... Mais c'est une blague, mais c'est extrêmement dur. Voilà, j'ai loupé, voilà, j'en étais sûre. Non, regardez-moi ces trucs de merde. Ok, donc maintenant que notre carpaccio est bien, comment dire, présenté, on a notre petite... Notre sirop qu'on a fait réchauffer. Et le sucre, en fait, a fondu et c'est devenu liquide. Hop, c'est parti. On en verse, regardez comme c'est beau avec les grains. Fruit de la passion. Voilà. Voilà. Alors, l'autre recette, c'est des petites sucettes de raisin trempées dans le chocolat blanc. Exactement. Donc, il faut déjà faire fondre le chocolat blanc au micro-ondes. Je mets un petit peu de crème. Ok, donc on a fait fondre notre chocolat blanc avec de la crème. Et maintenant, on va les tremper nos petits raisins. Donc là, après, nous, on l'a mis dans le petit arbre ananas, mais bon. Petit arbre à couilles. T'es bête. Ça coule un peu, faut tourner. C'est, faut que ça fige un peu. Hein. Après, quitte à les laisser figer là et tu les changes pour la présentation autre part, tu vois. Bon. Oh là là, mais c'est un scandale. Ça coule un peu, oui. Oui, bah oui. Pareil pour le topping, nous on a pris ça, alors vous prenez vraiment ce que vous voulez. Après on filmera les autres. Une fois que c'est... Ouais, mais non, là, ça va tomber. Voilà. Voilà. Et voilà, on a terminé nos recettes. Alors, j'ai trop hâte de goûter le carpaccio d'ananas. Il me tente depuis tout à l'heure. Avec la sauce et tout ça, ça sent vraiment trop bon. Et ça, ça a l'air excellent. Ok, je goûte. Merde, putain, ça coule. Ah, oh, c'est vraiment... C'est vraiment trop bon. Que tous les membres de l'équipe ici goûtent parce que c'est excellent. Un petit raisin blanc, chocolat blanc et un petit topping. Trop bon. Ça croque. Le chocolat blanc va vachement bien avec le raisin. Et le croquant avec le chaud un peu du chocolat, c'est excellent. Bah écoutez, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Bisous. On vous fait plein de bisous. Oui. Et puis à bientôt et n'hésitez pas à refaire la recette. À bientôt. Bye.